Et de l'autre côté du miroir, Horologium, c'est Fabrice Lebeau, 34 ans, dessinateur installé à Blois. Horologium est sa première bande dessinée. Il n'y a aucune émulation dessiner un costume trois pièces ou un jean ou les voitures, c'est pareil, l'architecture c'est pareil pour moi. Donc je préfère soit l'époque ancienne, soit des mondes plus imaginaires ou un mélange de tout ça quoi. Mais vous êtes bien dans notre société quand même? Non, pas trop. Enfin, c'est pour ça que je fais de la BD d'ailleurs, c'est pour m'évader un peu de ce monde-là. J'aime pas trop le monde actuel. Fabrice Lebeau partage un atelier dans le Vieux Blois avec Pierre-Yves Fourier, coloriste. À deux, on peut s'encourager, la BD est un milieu difficile. Pour Fabrice, il aura fallu attendre 10 ans après un parcours dans l'illustration publicitaire, le dessin animé et de très sérieuses études de droit. Ouais. Qui va être là, ouais, approximativement. Ouais. Donc. J'ai fait 5 ans de droit et ça a été une course en avant. Quoi. Parce qu'en fait, j'avais abandonné l'idée de faire de la BD. Et après, en sortant de la fac, je voulais être notaire, huissier de justice, si je me rappelle bien. Donc, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ma voie. Quoi. Et il a eu bien raison de persévérer dans la bande dessinée. Salué par la critique, nominé au Festival d'Angoulême 94, Horologium a remporté le prix Totem BD du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil et la sortie du deuxième tome est prévue pour septembre 95. Fabrice Lebeau est né il y a 34 ans à Albi. Études secondaires très honorables, fac de droit, il aurait dû devenir notaire. Mais la vie, point de suspension. Et du coup, après quelques séjours à la NPE, il décide de faire enfin appel à un petit don qu'il n'a jamais vraiment travaillé, son coup de crayon. En février 91, il entre au studio graphique IDD à Chablois, en 92 chez Saban International, et se découvre une passion pour la BD. En 93, c'est la rencontre avec l'éditeur Guy Delcourt, et en 95, la consécration avec l'Alphard du Salon d'Angoulême pour le premier tome d'Horologium, L'Homme sans clé. Aujourd'hui, il présente le second tome, L'instant du Damoclès. Fabrice Lebeau est devenu dessinateur. C'est pas un métier facile financièrement, c'est vrai. Il faut connaître le succès tout de suite. Autrement ça sous-entend pas mal d'années difficiles. Mais là, pour moi, ça a l'air bien parti. Je pense que si ça continue comme ça, je pense que dans 2-3 ans, je pourrais en vivre bien. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu dur. Et la machine s'emballe car Fabrice a promis 5 tomes à son éditeur. Le second achevé, il est déjà sous pression. Il travaille le texte, une critique sociale toujours plus acerbe. Il y a un message bien sûr, mais il est flagrant. Quoi. Tout le monde peut le voir, donc il est secondaire finalement. Ce qui est important, c'est la distraction du lecteur. C'est l'aventure avant tout. Les gens voient ce qu'ils veulent voir dans le décor. Finalement, c'est la partie du décor. C'est cette religion des clés. Toute cette société un peu dictatoriale. Oui, je me sens mal dans la société d'aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui vont pas bien. Moi, des fois, j'ai peur quand je me dis que je suis sur un petit caillou au milieu de l'univers et ce caillou peut sauter d'un moment à l'autre. Il y a tellement de choses qui se passent. On dit que le 20e siècle est un siècle de progrès, mais je dis non, le 20e siècle, c'est le siècle le plus barbare que l'humanité ait jamais connu.